L'hôpital national d'Onka est officiellement inauguré ce 17 août 2022. Les travaux d'extension et de réhabilitation du centre universitaire de Donka ont duré près de 7 ans. La capacité d'accueil en lit passe de 510 à 631. Les travaux ont été lancés en 2015 par le président Dechu Alpha Condé. C'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a présidé l'inauguration. La nouvelle configuration de cet hôpital comprend des structures d'hospitalisation, des soins ambulatoires, un plateau technique et des installations annexes. Sur le plan des hospitalisations, l'hôpital a été humanisé et il a bénéficié d'une augmentation de sa capacité de 510 lits à 631 lits, dont 100 cabines d'un lit et 140 cabines de deux lits avec toilettes internes climatisées. L'Arabie Saoudite, à travers son fonds dédié au développement, a financé ce projet à hauteur de 32 millions de dollars américains. Le projet de l'hôpital Donka reflète la volonté sincère d'aider le gouvernement de Guinée à faire face aux besoins en matière de santé. C'est bien la politique que le gouvernement saoudien mène depuis plusieurs décennies en faveur de nombreux pays africains. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, les aides fournies par le Royaume d'Arabie Saoudite dans le but d'appuyer le processus de développement en Guinée sont très variées. Parmi elles figure celle accordée à travers le Fonds saoudien de développement, qui comporte 16 prêts et 3 dons totalisant 6 millions de dollars américains pour contribuer au financement de nombreux projets de développement en Guinée. Le ministre de la Santé, Mamadou Pété Diallo, s'est réjoui auprès du colonel Mamadi Doumbouya qui a permis la finalisation des travaux d'extension et de réhabilitation lancés par le président Alpha Condé. Qu'il me soit permis ici, Excellence Monsieur le Président de la Transition, de vous remercier, vous personnellement, le Conseil National du Rassemblement pour le Développement, le CNRD, le gouvernement de transition, pour avoir pris l'engagement de finaliser ce projet et de mettre ce bijou à la disposition du peuple de Guinée. Mon propos ici se veut quelques remarques sur le trajet que nous avons parcouru jusqu'à date. À l'avènement du 5 septembre, ce projet était à l'arrêt depuis 2019, pendant 2 ans. Il a fallu, Excellence Monsieur le Président, votre détermination, votre courage, l'empathie et le souci que vous avez pour la santé et le bien-être des Guinéens pour que ce projet sorte de sa léthargie.